Hey, bonjour tout le monde et bienvenue sur Francis Gaming. On se retrouve pour aujourd'hui une vidéo de planning. Donc vous l'avez pu l'apercevoir, donc d'ailleurs il faudrait que je change ce petit machin. Et pourquoi il y a un B ici? On enlève. Nous allons faire donc une vidéo sur le planning du mois de juillet. Le mois de juillet qui va être un mois assez bizarre hein, pour vous et ainsi que pour moi. Déjà, ça va être surtout au début du mois de juillet qui va être bizarre. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir les résultats de mon bac. Donc, mon bac, qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. Donc, si vous voulez connaître les résultats de mon bac, ça sera le vendredi à 21h. Ou alors, si possible que je ne fasse pas la vidéo, c'est possible que ça soit samedi ou dimanche. Hein, voilà, donc moi je l'ai mis vendredi, mais c'est possible que ça soit plus tard. De toute façon, si vous voulez savoir les résultats de mon bac, il faut aller sur Twitter, sur mon compte Twitter, qui se trouve dans la description de l'épisode, ou alors sur le groupe Discord. Bon, comme d'habitude, c'est toujours pareil. Vous avez du EU4, GPS4, GPS4, HOI4, FIFA 18, GPS4, Minecraft, etc. À part pour le bac ici, vous avez votre petit train simulateur ici. Peut-être qu'on va changer pour, peut-être, on sait jamais, ça sera du Banished pour vous faire découvrir ce jeu. Ou alors, ça sera du The Forest, hein, qu'on pourrait le faire en coop avec Logan. Ou alors, ça pourrait être du post-scriptum, parce que j'ai le jeu et vous avez une démo pour ceux qui ne savent pas. Donc ici, pour le moment, j'ai mis Train Simulator, donc ça sera sûrement du train simu. Et ici, ça sera je ne sais pas quoi parce que j'ai mis des petits points d'interrogation. Donc ici, vous avez toujours votre planning comme d'habitude, sauf qu'il n'y aura pas la vidéo du bac, donc ça sera toujours EU4, GPS4, FA 18, HOI4, Minecraft, etc. Vous avez pu voir qu'on a record avec Logan beaucoup de parties de, enfin beaucoup d'épisodes de Heart of Iron 4 jusqu'au 19. Ça va vraiment, c'est vraiment pas mal. En tout cas, on a bien travaillé avec Logan, ce qui fait qu'on est beaucoup d'avance sur Heart of Iron 4, même si on va continuer jusqu'à avoir de l'avance jusqu'au 31 juillet. C'est ce que je voudrais, c'est d'avoir de l'avance jusqu'au 31 juillet, comme ça je n'aurai plus de problème par rapport à ceci. Donc passons. La semaine suivante, nous avons du EU4, GPS4, GPS4, HOI4, et là tout va changer. Nous allons commencer, enfin, je vais commencer à publier 3 vidéos par jour. Pourquoi? Parce que je vais me donner une leçon. Je veux apprendre à mieux m'organiser. Et comme nous sommes en vacances, eh bien, c'est génial parce que j'ai du temps à dépenser. Donc, on va pouvoir passer à 3 vidéos par jour. Ça m'apprendra pendant les vacances à m'organiser un peu mieux et pouvoir faire 3 vidéos par jour. Et donc, c'est ce que je voulais en fait au final. C'est ce que je voulais. Je voulais vous faire 3 vidéos par jour. Donc, beaucoup de travail. Mais c'est ce que je souhaiterais accomplir jusqu'à la fin quoi, de ma chaîne. Je voudrais avoir 3 vidéos par jour sur la chaîne. Donc vous allez avoir Postscriptum, un jeu de guerre stratégie durant la Seconde Guerre mondiale. Donc si vous voulez savoir, allez regarder la bande-annonce. Elle est vraiment pas mal ce jeu. Il sort le 18 juillet. Donc je vais vous faire un let's play sur Postscriptum. Il y en aura 4 par jour. Donc on va en parler ça plus tard. Toujours d'habitude, vous avez FIFA 18, GPS4, etc., etc. Vous allez aussi avoir du SimCity. Le SimCity saison 3 va enfin arriver sur la chaîne. Beaucoup de gens me le réclamaient du SimCity pour pouvoir jouer en coop avec vous. Et bien, c'est décidé, ça va se faire. Donc, vous aurez du SimCity saison 3 en coop. Et là, ça sera pas du coop où tout le monde, même si les gens ne sont pas abonnés à ma chaîne, peuvent venir. Non, ça sera stipulement seulement que mes abonnés. Donc, il faudra m'ajouter sur Origin et après, je vous accepterai sur SimCity pour ceux qui détiennent le jeu SimCity. Et on fera des parties intéressantes entre joueurs en coop et bien sûr en solo parce que je vais être record en solo. Mais on vous pourra aborder, parler et visiter. Je pourrai visiter et pourquoi pas faire des échanges avec vous. Ce qui pourrait être pas mal. Donc, SimCity, le début. Et là, ça va être intéressant parce que là, on sait quels sont le rythme de Postscriptum et de SimCity sur
Le planning des 3 vélos par jour. Bon, là, vous verrez qu'il y a 4 vidéos pour ce lundi. Une vidéo spéciale parce que je vais vous expliquer, enfin, je vais vous parler de mon network qui est Melbury's. Je vais vous montrer directement sur mon tableau de bord. Tac, 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 c'est sur chaîne. Donc, vous voyez, partenaire validé, talent Web Next Creator, donc ça, c'est mon network. Peut accéder à votre compte et gérer vos paiements. Accès accordé le 1er mars 2016, il y a 2 ans, et l'accès sera supprimé d'ici le 23 juillet 2018. Ça coïncide exactement avec la date. Donc pourquoi je vais vous parler de mon network alors que je vous ai déjà fait une vidéo sur le problème que j'ai eu avec mon network? Mais tout simplement parce que j'ai envie de vous expliquer qu'est-ce qui va se passer après la fin de mon network. Bien sûr, oh, d'accord, je n'aurais pas dû être ici. Bien sûr, je vais passer sur AdSense. Donc AdSense, c'est la monétisation via Google, qui pour moi est beaucoup plus intéressante que mon network, parce que mon network me prend 30%, etc., etc. Bref, et ils ne m'aident pas trop, donc je préfère repasser sur Google. Donc Google va accepter. Ah oui, ça c'est super joli, ça il faudrait que je vous montre aussi un jour. Donc voilà, c'est mon network et je voudrais vous parler de mon network. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il faut faire contre votre network si vous avez un truc comme ça. Donc ça va être une explication assez brève et on va basculer sur AdSense. Enfin, je vais basculer sur AdSense, donc il y aura toujours de la publicité. Vous savez que la publicité m'aide énormément pour pouvoir acheter des jeux, pour pouvoir vous faire des let's play. Par exemple, Postscriptum a été acheté grâce à la publicité YouTube. Donc, vous voulez avoir plus de let's play, vous voulez que je fasse plein de jeux, c'est possible, mais tout cela ne peut pas se réaliser tout seul. Il faut de l'argent, et cet argent, eh bien, c'est grâce à la publicité YouTube que j'arrive à pouvoir me payer des jeux pour pouvoir vous les présenter. Et c'est pour ça que c'est très important pour moi que soit vous éteignez AdBlock pour ma chaîne ou pour toutes les autres chaînes qui sont seulement sur YouTube. Vous voyez, il y a mon petit uBlock là. uBlock, c'est un adblock, c'est pareil. On va aller sur YouTube, mon uBlock est désactivé. Je désactive toujours dans des réseaux où il n'y a pas forcément de la pub qui sont chiantes. Je comprends qu'il y a de la pub qui sont chiantes et ça sera. Et je comprendrai toujours que quand vous allez sur un site de streaming, vous avez 1 milliard de pubs qui casse-couille, je vais le dire comme ça, qui casse-couille, c'est compréhensible. Alors moi, je vous dis, YouTube, il n'y a pas forcément de publicité. D'ailleurs, il y a YouTube Premium qui vient d'arriver, donc on verra ce que ça donnera sur le long terme, sur la rémunération. Mais sinon, franchement, si vous pouvez m'aider juste en désactivant votre adblocker et en regardant les publicités, ça m'aidera énormément pour pouvoir financer mes jeux. C'est juste du temps que vous passez en plus. Mais franchement, en soi, vous gagnez parce que je pourrais faire des jeux, des let's play sur d'autres jeux. Et franchement, ça serait vraiment très important pour moi. Ah, pourquoi j'ai mis du Real Politics ici? Ah, j'ai pas changé ça, donc il faut que je change EU4. Non, il n'y a pas de. Enfin, on sait pas. Donc voilà, c'était mon petit coup. Ou alors, vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Voilà, j'ai mon Tipeee qui est toujours activé. Je souhaite à long terme désactiver Tipeee pour aller sur Utip, qui est beaucoup mieux, qui est beaucoup plus rémunérateur que YouTube et qui pourra forcément m'aider pour pouvoir acheter du matériel des jeux. Mais ça, j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Et j'attends toujours mon accès à la bêta. Bon, ça, ils vont. Demain, ils vont parler, ils vont mettre la charte des possibilités des chaînes qui soient acceptées. J'espère que les chaînes gaming, let's play seront acceptées. Parce que c'est ce que je fais. Je fais pas du jeu vidéo sur des gros jeux en soi, à part FIFA 18, Minecraft, Art of Iron 4, c'est pas forcément une grosse licence. GPS 4, c'est pas forcément une grosse licence. Postscriptum, c'est pas forcément une grosse licence. C'est voilà, on est dans des jeux où il n'y a pas forcément de grosse licence et que je vous fais quand même des vidéos là-dessus. Donc, en soi, c'est un peu de la découverte. Enfin, après, on verra ce que ça donnera avec Utip. J'espère être accepté du fond de mon cœur pour pouvoir acheter des jeux, pour pouvoir acheter du matériel, pour pouvoir ainsi faire du fond vert, avoir une clé 4G pour les lives, etc., etc. Bref, donc, on a tout ça. Revenons sur le planning. Donc, Postscriptum,
4 fois par semaine, donc lundi, mercredi, vendredi et dimanche à 14h. SimCity, ça sera 2 fois par semaine, donc mardi et samedi à 14h. Minecraft, comme d'habitude, vous l'avez toujours à 14h. Le jeudi, si je dis pas de bêtises exactes, vous l'avez en plus en haut. EU4, après, ça va pas changer, hein. Toujours 2 FIFA 18 Manager, qui est le mercredi et le dimanche à 16h. EU4, 2 EU4, 3 GPS4 à 16h et 3 autres GPS4 à 18h, ainsi que du Heart of Iron 4. Et ici, je sais pas, c'est en gros le dimanche à 18h, c'est mon petit coin où je peux faire ce que je veux. Je peux faire du GPS4 défi, je peux faire tout ce que je veux. Et d'ailleurs, je compte faire un GPS4 défi bientôt, donc ça sera sûrement le 22 ou alors le 29. Ah, ça peut être même plus tôt, alors on verra ce que ça donnera. Mais sinon, oui, il y aura un GPS4 défi ce mois-ci. Donc il y en a beaucoup qui voulaient savoir, donc vous aurez votre GPS4 défi. Donc 3 vidéos par jour, ça va être la même chose pour le mois d'août. En tout cas, c'est mon objectif. Mon objectif, c'est faire 3 vidéos par jour. C'est avoir mon bac. C'est surtout le plus important, c'est d'avoir mon bac. Je vous le dirai bien sûr, ne vous en faites pas. Vous êtes quand même une petite communauté et ça me fait toujours plaisir de pas trop divulguer trop ma vie, mais de vous parler des choses les plus importantes, de ce qui se passe un petit peu, genre le bac, ça c'est important. Ça je peux le dire, c'est pas un problème, mais je vous dirai pas où j'habite, etc., etc. Enfin voilà, vous savez que je suis au sud-ouest, mais voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Donc voilà, vous aurez 3 vidéos par jour. Parfois il y aura 4 vidéos. Pas de live. Vous avez sûrement remarqué, il n'y a pas de live sur ce mois de juillet. Non, pas de live. Je compte par contre en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup au mois d'août. Au mois d'août, il y aura beaucoup de live. À peu près 2 à 3 fois par semaine. Bon, bien sûr, ma qualité sera bof bof. À part si j'ai un uTip et si je peux m'acheter une clé 4G, et là, ça sera une bonne qualité. Enfin, j'espère. Mais sinon, voilà, je compte faire des lives sur le mois d'août. Et pas sur d'autres mois. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pour cet épisode, pour ce planning du mois de juillet 2018. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau planning et pour comprendre ce qui a avancé sur la chaîne. Et ben, ça sera tout. Et sûrement, on fêtera les 2000 abonnés au mois de juillet. Sachant que le mois de juillet va être très important parce que je vais tester un truc qui est sur YouTube. Je vais tester. Et on verra ce que ça donnera en conséquence sur la chaîne. Mais j'en suis sûr qu'on fêtera les 2000 abonnés au mois de juillet. Et je pense pas faire une vidéo spéciale pour ça, à part une petite FAQ. Voilà, ce serait une petite FAQ, voilà, comme d'habitude. En tout cas, bah, je vous remercie de m'avoir suivi pour cet épisode, pour ce planning. On se retrouve le mois prochain. Et pour certains qui veulent regarder les vidéos, à plus tard, hein, enfin, au lendemain, voilà. À demain pour du 4 et du GPS4. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pour cet épisode, pour ce planning. Allez, ciao tout le monde.